Bonjour, bonjour les amis, nous voici à nouveau autour du lac. Autour du lac, on m'a dit pas trop près le visage, il y a les rides de l'âge. Autour du lac ici pour ce moment partagé. Et on souhaitait, et par hasard d'ailleurs, j'ai rencontré Martine. C'est pas Martine va à la pêche, c'est pas Martine à l'école, c'est Martine en cure. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va? Parlez bien fort, parce que dès qu'on a un micro, on parle plus. Vous êtes là sur Facebook en direct, la page Autour du Lac, sur la chaîne YouTube Autour du Lac, sur Instagram, c'est pour les plus jeunes. Vous avez Facebook, Martine? Oui, Facebook et même Twitter, mais il ne faut pas dire que je sois très... Ah, vous tweetez? Pas vraiment. Vous savez que c'est les stars qui tweetent? Oui, alors vaut mieux que je m'abstienne. Non, vous êtes une star. Alors, vous êtes une star, Martine, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer parce que je disais, évidemment, je donnais mon avis autour d'un verre, ici même à la potinière Place de la Mairie, Place Maurice Mollard. Et je crois que vous adorez cette ville. Vous y venez depuis 2 ans pour les cures. Oui. Chez Valvital, là, chez notre ami Riac, Bernard Riac. Et vous êtes heureuse de venir puisque vous veniez ailleurs. Vous adorez cette ville, je crois, vous m'avez dit. C'est une ville qui est charmante, qui a un passé que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup me balader, regarder tous ces immeubles. Les anciens palaces, par exemple. Voilà, et puis l'accueil est très sympathique. Voilà. Les gens, vous trouvez les gens sympathiques, oui, autour de vous? Oui, les gens sympas, vraiment. Chez Valvital, à la ville. Oui, ça va bien. Même au niveau des soignants, ils sont sympathiques. Toujours un petit mot pour rire. Non, c'est bien. Vous êtes arrivé de Saint-Raphaël, c'est ça, non? Saint-Raph, oui. Saint-Raph, c'est pourtant un bel endroit, une belle ville en bord de Méditerranée, à côté de Fréjus. Ah, qui n'a pas le passé historique d'Aix-les-Bains. Hein. Non. C'est du début du... début du 20e. Hein. Oui, enfin, oui, puis il y a eu la guerre peut-être un petit peu au milieu, pas tant dans le sud. Non, pas trop. Et un casino quand même à Saint-Raphaël. Oui. Et alors, vous alliez en cure où avant Aix-les-Bains? Très peu, je suis allée une fois à Gréoux-les-Bains, mais j'ai pas été... Oui, c'est récent pour vous, vous êtes toute jeune. Oui, bien sûr. Et vous aviez le masque? Ben oui, alors je l'ai enlevé, alors qu'est-ce que je fais de l'enlever? Non, bah, c'est trop tard, c'est pas grave. Mais on va bientôt devoir tous le remettre, on va se faire servir, allez-y, jeune homme. Et Martine, je me suis dit, il faut absolument qu'elle témoigne d'une des premières, parce que vous êtes arrivée quel jour à Aix-les-Bains? Dimanche 12. Le 12, la veille, merci. La veille. Donc, petit citron pressé. Du coup, c'est vrai que c'est moins drôle quand même parce que vous pouvez moins sortir le soir ou vous balader après les cures ou... Vous avez ce qu'il faut? L'année dernière, j'étais avec plusieurs personnes que je connaissais et qui étaient dans la région, donc on s'est retrouvés assez régulièrement. Cette année, on est quand même beaucoup moins. Vous retrouvez quand même des curistes de l'année passée ou pas encore? Une qui est arrivée hier. Il y a moins de soins par jour, en fait. C'est pas qu'il y a moins de soins, il y a moins de personnes soignées. Il y a moins de curistes, je pense qu'ils n'ont ouvert qu'une seule unité. D'accord. Et donc vous êtes à Valvital. Vous logez où, du coup, Martine? C'est une question que je vous pose. Hein. À l'hôtel Gallia. Ah oui, alors, du coup, ça fait un peu sa promo. On salue nos amis de l'hôtel Gallia, voilà. Qui est un bon hôtel et qui est surtout tout près de... Oui, et très sympathique. Hein. Vraiment, on est gâtés. Beaucoup de... Et là aussi, il y a... Oui, beaucoup de gens. Ouais. Là aussi, il y a des normes assez drastiques. Hein. Enfin, les conditions de... Absolument. Hein, respectent les consignes sanitaires. Oui. Très bien, Martine. Prenez votre petit... Allez-y, servez-vous. Hein, voilà. Merci. Donc, la première curiste. Vous mettez de l'eau, oui, peut-être. J'en ai. Martine de Saint-Raphaël. Et alors, votre famille est là-bas? Ma famille, non. J'ai des enfants à Paris. J'ai 3 enfants. Ma fille est à côté de Bandol, donc on est pas loin. D'accord. Et cet été, du coup, alors je vais vous poser la question, en dehors de la cure, parce qu'on est en plein été quand même, vous allez partir ailleurs voir vos enfants? Non, je vais à la montagne. Je vais aux Arcs 1800. Je possède un studio. Ah, génial. Donc après la cure aixoise, vous allez aux Arcs? Ouais, voilà. Et je ne rentre que fin août, ensuite, quand la plupart des touristes sont repartis. Oui, c'est vrai. Et puis, quand vous êtes en arrière-saison, comme chantait Gilbert Bécaud, c'est en septembre. Vous vous rappelez de cette chanson? Non, pas celle-là. Ah, magnifique. C'est en septembre. Quand on dit que les touristes sont bons, qu'on est le mieux dans ces villes du sud. Ah oui, non, je ne la connais pas, cette chanson. Bon. Eh bien, écoutez, Martine, c'est un plaisir. Je vous disais, c'est pas Martine à la campagne ou Martine au ski, quoique elle va aux Arcs, mais l'été. C'est Martine en cure à Aix-les-Bains chez Valvital. Merci beaucoup. On va se faire un petit coucou ensemble.
Donc, on est bien ici. Vous venez souvent d'ailleurs ici. J'aime bien venir là. Ouais. C'est vrai. On a des très bonnes glaces, des très belles pâtisseries. Il y a plein de grandes maisons à Aix dans le centre-ville. C'est vrai que le centre, à l'époque thermale de gloire, était plutôt ici. Il est redescendu un peu et puis tout ça va revenir. Et le petit train touristique derrière vous, je vais faire un... On ne doit pas s'approcher, mais je vais vous faire un petit salut comme ça. C'est un bon moment. Je vais me baisser les genoux qui vont craquer. Je ne sais pas si on me voit, Martine. On n'entendra rien. On est en combien de jours de cure alors là? Attendez, lundi, mardi, mercredi, quatrième jour. Bon, merci en tout cas de venir. Quatrième jour, oui, il en reste encore une quinzaine. Un peu moins. Un peu moins, c'est 18. On est ravis de vous avoir eu. On va vous laisser déguster votre citron pressé ici à la potinière. Et puis, bonne cure chez Valvital. Tout ça va être montré à beaucoup de monde sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ça veut dire qu'il y a des Grenoblois, des Lyonnais, des Annéciens qui vont voir et qui vont venir nous rejoindre. C'est parfait, ça. Merci Martine, bonne cure à vous. Hein. Merci à vous. C'est un plaisir de vous interviewer, on va dire ça comme ça, sur Moments Partagés et sur la page Autour du Lac. À bientôt Martine. À bientôt. Merci.